À vrai dire, notre cause qui nous a fait venir ici, on est venu pour donner un cri de larmes envers le gouvernement. Le gouvernement a eu à lancer durant un confinement partiel, bien sûr. Ils ont limité le nombre d'autobus. Par contre, il y a des élèves qui trouvent du mal à venir à l'école et parfois d'autres qui quittent parfois le Serfoumou, ils arrivent à pied. Ils arrivent à pied. D'autres qui quittent parfois péage, ils arrivent à pied. Le temps d'arriver, il y a certains élèves qui arrivent parfois en retard et ils ratent parfois des cours. Donc, c'est du n'importe quoi. Et d'autre part, on a augmenté le prix de bus. Les bus ont été augmentés, on a augmenté le prix de bus. Si un élève vient avec 500 et arrive avec 500, il doit dépenser 300. Arrivé à l'école, il y a aussi les planches qu'il faut photocopier. Donc, on nous rend pas service. Si le gouvernement a pris l'initiative de donner le confinement, sinon de réduire le taux d'effectif de bus, il doit aussi donner des mesures d'accompagnement. Parce qu'à chaque fois, il faut avoir des mesures d'accompagnement. Donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. On est fatigué. On est fatigué. Parfois, je quitte de Vindoulou jusqu'ici à pied. Je suis fatigué. Les bus, c'est 500 francs. Moi, je suis pas riche. Mes parents ne sont pas riches. Donc, si l'État ne fait pas ça, en tout cas, nous, on va se révolter. On va se révolter. Tous les jours, on est fatigué. Donne-moi l'examen. On peut absolument rien. On est fatigué de tout ça. Rien de tout ça. Si ma femme plus mal, je suis venu en Kavaki. J'ai quitté pendant 50 jusqu'à l'école en Kavaki. C'est pas normal ça. Comment faire moi élève, je monte en train de Kavaki jusqu'à l'école. C'est pas normal. En tout cas, ton paye, encore ton paye. Le gouvernement doit voir ça. On est fatigué. Paquet, 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 pa